Jean-Michel, oui, je suis en compagnie de Thérèse Montcalm dans un environnement incroyable. Il y a la musique qui est devant nous, l'orchestre baroque. C'est relax. Oui, c'est beau. C'est la première entrevue relax que je fais comme ça. C'est avec toi, Mie. C'est vrai que c'est pas relax les entrevues d'habitude. Hein? Ben non. Studio, c'est toujours plus froid. Là, on est bien. J'ai l'impression d'être en vacances. Bon, ben c'est parfait. C'est parfait que tu te sentes en vacances puis qu'on t'ait invité pour cette émission-ci parce que t'es une amoureuse de la musique classique. Oui, j'aime bien ça. Oui. Jean-Angèle Dubaud, là. Je suis tripsuelle dans cet instant. J'écoute son compact peut-être 35 fois par jour. Mais il recommence, je suis jamais tannée de l'entendre. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, jamais. Faudrait faire ça. Ça donne. Je vais avec toi, moi. Ouais, ça donne. Ça donne, certain. Moi, j'ai été convaincue. J'ai été gagnée par toi quand j'ai entendu ton album puis que la chanson Cinéma de Claude Nougaro a commencé parce que moi, c'est mon enfance, Nougaro. Ah, chez vous, il écoutait ça? Oui, moi, j'étais amoureuse de Claude Nougaro. C'était chanteur. Puis surtout cette chanson-là. Toi, Claude Nougaro, tu l'as toujours aimé? Oui, c'est les plus vieux chez nous qui écoutaient ça, le répertoire européen, comme Aznavour, Nougaro, Brel, Piaf, Lama. J'en aime pas plus un qu'un autre. Nougaro, ça m'allait bien le cinéma pour... si je voulais interpréter une chanson pour le premier album, je l'aimais bien. Puis pour le deuxième album... Vous avez sûrement commencé... Là, j'avais assez de matériel. C'était difficile de faire le choix des chansons pour le premier album, mais là, c'est comme... le deuxième va être enregistré à la fin 96, années 96, début 97, parce que ça me donne amplement le temps de choisir. Puis j'arrête pas de composer, j'arrête pas d'écrire non plus, parce que tu sais qu'on va toujours de mieux en mieux. Hein? Plus on en écrit, mieux c'est. Comment t'écris? T'écris la nuit? Non, je suis une fille de jour, moi. Très, très de jour. Je me lève tôt le matin puis je me couche tôt. Ah oui? Oui, oui. Je suis pas capable de travailler le soir. Pourtant, on avait l'impression que c'est avec cette voix-là. Moi, c'était... Et Mitsu, je fume pas puis je bois pas. Tu vois, c'est tout des mentries. des mentries. Ben, c'est ce qu'on s'était imaginé. C'est drôle, mais en même temps, moi, la surprise est toujours meilleure quand on te rencontre. Je t'ai rencontré... Il y a quelques mois, même presque un an, puis j'ai été surprise de la douceur de ta personne. T'es une fille qui est très, très douce quand on te rencontre et qui a un aura qui est très doux aussi. C'est surprenant, de te voir chanter même avec cette voix. C'est bien ce que tu dis là en pleine TV comme ça, les gens vont arrêter de dire que j'ai un mauvais caractère, que je suis pas fine. Pas de chou. Je suis une agressive. Alors, dis-le encore. Ça, t'es douce, puis t'es fine. Ouais. Couche-toi, je vais te le dire. T'es douce, t'es fine. Le premier album, c'est ça, il donne l'image d'une fille agressive à cause de l'énergie qu'il y a dessus. Puis est-ce que tu vas changer ça pour le prochain album? Ben l'instrumentation va être différente. Ça va être encore plus acoustique, moins d'instruments, puis... ça va être un petit peu plus funk, mais enfin, je peux pas trop parler, là. Parce qu'il est tôt. C'est pas même pas un an que j'ai sorti cet album-là. On est encore en train de travailler dessus. Je sais. Puis comme je le dis, je te le répète, parce que nous, on t'aime ici, tous les techniciens sur l'équipe n'arrêtaient pas de dire comment ils se trouvent bonnes, comment ils t'aiment. Vous êtes gentil. Alors, tu me gênes. C'est vrai, tu reviens quand tu veux, puis nous, on a envie d'entendre le prochain album, puis d'entendre celui-ci. Tu reviens nous chanter. C'est juste à m'inviter, je vais revenir. On se retrouve voir Jean-Michel. On est trop relax, nous aussi. Bye! Merci, Mitsu.